Voilà, vas-y, le cacao. Ok, le cacao, c'est un antioxydant. Tu as déjà d'abord la colère. Alors, tu peux peut-être t'attendre là-haut. Ici, t'as un test. Voilà, c'est elle qui manipule tout. Voilà, le cacao, c'est un antioxydant puissant qui guérit plusieurs maladies à la fois. Donc, le cacao, c'est les graines de cacao bien secs. Et puis, on enlève le sucre, le cholestérol et puis graisse. Ça devient fade. Ça devient vraiment un médicament menant pour le cœur. La première des choses, ça guérit cardiaque en moins de 2 semaines. Même si tu vas aller faire opération, tu ne pourras plus aller faire. Parce que sa spécialité, c'est le cœur et puis c'est les nerfs. Donc quand tu bois, en même temps, ça nettoie les artères, ça nettoie les vaisseaux sanguins, ça nettoie les nerfs, ça nettoie tout ce qui est bouché, cholestérol qui est dans les nerfs, dans les nerfs, dans les vaisseaux sanguins, cholestérol, graisse, sucre, tout ça nettoie. Et ça devient, le sang circule bien dans tes nerfs, dans tes veines, bien correctement, tu ne peux jamais tomber dans AVC. Si ta tension monte, même si à 22, à moins de 10 minutes, tu seras stable. Ta tension baisse également, même chose, ça te remonte, c'est un remontant. Si, c'est un bon insuline, je peux dire, c'est bon pour les diabétiques. Quand un diabétique prend ça, il boit, il faut que ça soit bien chaud. Tu vois, tu bouilles bien l'eau là, tu bois, il faut que ça te brille dans la langue même. Quand tu bois net, il faut que tu transpires. Tu transpires, ça nettoie, en même temps, immédiatement, tu es stable. Si tu as vertige, ou bien, en tout cas, les gens de diabète qui tremblent pour manger là, quand tu bois, c'est un complément alimentaire. Tu bois en même temps, tu n'as plus faim depuis le matin. Ça va toujours le ventre qu'à midi pour manger, comme les médecins disent, qu'il faut manger juste, tu manges, il ne faut pas manger entre les repas. Lui, il te bloque déjà. Hein? Lui, il te bloque l'appétit de manger, de grignoter là. Il bloque déjà, cacao bloque ça. Tu bois et puis tu es stable. Tu sens la première des choses, c'est l'énergie. Ça te booste l'énergie, ça renforce ton système immunitaire. Si tu as vertige, le stress s'enlève, le stress. Et puis ça diminue les taux de dépression. Les gens qui sont dépressifs, là, quand ils boivent cacao, ça diminue les taux de dépression. En même temps, ça te donne l'intelligence. Quand tu es vieille personne, en tout cas, la première des choses, ça te régénère, ça te réagénie et ça fortifie tes nerfs. C'est magnifique. Magnésium, c'est calcium et puis c'est le fer. Si tu as le problème de fer, de magnésium, fer c'est le sang. Le cacao te donne le sang. La poudre de cacao là, ça te donne le sang. Et puis magnésium, c'est le problème des nerfs, ça te donne les nerfs. Quand ton pied bat comme ça, palpitation et puis tu as les crampes, tu vois ça, ça stoppe ça immédiatement. Et c'est très bon. À moins de 3 ans, en tout cas, tu es réglé quoi. Tu bois cacao, toi-même, tu es régénéré, tu te sens mieux. Si tu as mal à la tête, immédiatement, tu bois, ça règle le problème de mal à la tête. Les douleurs que tu sens, les douleurs articulaires, tu bois, et ça diminue aussi fatigue intellectuelle. Voilà, ceux qui sont vraiment des intellectuels, qui travaillent beaucoup, ça finit la fatigue intellectuelle. Quand tu bois là, tu te sens normal quoi, comme si rien n'était. Vraiment, cacao est très bon. On nous demande de prendre vraiment beaucoup de cacao, surtout pour les enfants. Ça leur donne l'intelligence. Et puis, ça fortifie tes os. Ça fortifie aussi tes nerfs. Voilà, ça, c'est la poudre de cacao. En dehors de ça, on a aussi le beurre de cacao. On appelle aussi la sève de cacao. Ces beurres-là, beurre de cacao, c'est un antioxydant aussi pour ça. Parce que ça guérit aussi plusieurs maladies à la fois. La première des choses, le beurre de cacao, qu'est-ce que ça fait? Sur le plan, il y a des... Il y a des volets, ou bien 3 volets, je peux dire successivement, sur la beurre de cacao. Beurre de cacao, la première des choses, sur le plan cosmétique, là, ça hydrate la peau, ça nourrit la peau. C'est un antioxydant, il y a vitamine A, B, C, D, E, F dedans, c'est-à-dire tout type de peau peut utiliser. Il y a collagène dedans. Quand la peau se chiffonne d'une manière, lui, il raffermit la peau. Quand on dit pommade à collagène, c'est pour raffermir la peau qui vieillit au fait. Les gens aussi qui ont la peau sèche, ça guérit cette peau-là. Maintenant, si tu as... en dehors de ça, c'est un anti-inflammatoire puissant. C'est-à-dire quand tu as les migraines, tu prends beurre de cacao, tu mets comme ça. À moins de 5 minutes, tu n'as plus migraine. Moi, j'avais mal hier, j'avais très mal ici. Je sens comme si une boule qui saute, j'avais mal dans la tête. J'ai pris seulement, justement, j'ai mis seulement comme ça. Ça a calmé. Immédiatement, je me suis dit, voilà, je parle maintenant, ça va. Et puis, beurre de cacao, là, quand tu as mal à l'oreille, l'oreille qui coule ou bien pique, qui saute, qui fait mal, tu n'arrives pas à dormir, tu chauffes ça, tu prends un petit cotonnet, tu mets ces huiles, tu mets dans l'oreille. 5 minutes, il n'y a plus de douleur d'oreille. Et puis, ça va soigner. Au fil du temps, tu mets, ça soigne la plaie qui est de l'infection qui fait que l'oreille la coule et puis ça fait le truc là. C'est beurre de cacao qui fait. En dehors de ça, c'est un anti-inflammatoire puissant et puis c'est un anti-douleur. Les gens qui ont les problèmes de nerfs,
les nerfs qui font mal, puis les douleurs lombaires, les nerfs font mal. Tu prends un beurre de cacao là, on te masse. Vous voyez que les blancs, non, chaque samedi, ils vont faire les kinés. Ils s'en vont toujours dans les spas, hein, pour se masser. Mais nous, les noirs, on n'a pas ces habitudes là. On a beurre de cacao déjà donné pour se masser. Tu te sens mal le matin, tu fais ça. Tu masses toi-même, même si tu colis. Tu as mal dormi, ça rentre, non? Tu as mal dormi, le cou fait mal, ou bien les côtes font mal. Il faut masser matin, soir, après, ça se calme lui-même. Au lieu d'aller acheter un anti-inflammatoire cher à la pharmacie. Okay. Donc, les nerfs qui font mal, les gens qui ont le problème, les gens qui ont fait déjà AVC, voilà. Ceux qui ont déjà fait AVC, ils sont dans AVC là, vraiment, pour des cacao et puis beurre de cacao, c'est très très important pour eux. Quand ils boivent matin, midi, soir, et puis sa nourriture à midi, il prend petit pour des cacao pour mettre dans la sauce, comme sous-marin, on prend pour mettre dans la sauce, il mange. Il finit de manger, il boit, c'est digeste. Ceux qui ont ici la colopathie, les gens qui ont colopathie, j'ai oublié, colopathie, tu vas aller bien à la selle. Si tu as problème de constipation chronique, tu n'arrives pas à aller à la selle, tu bois bien des cacao bien chaudes. Et pour des cacao bien chaud, tu vas aller bien à la selle. Ceux qui ont des graisses et le ventre bien, tu bois pour des cacao bien chaudes. Ça va t'amener aux toilettes vite pour enlever tous les graisses et puis tu seras libéré. Ceux qui ont l'étouffement, souvent quand les gens ils sont gros, ils sont étouffés pour marcher même. Tu bois ça, ça va enlever ces graisses, ça, tu vas bien respirer. Pour des cacao, c'est très important. On minimise. On demande aux gens de ne pas boire café. Parce que café, ça gâte les nerfs. À la longue, tu dois trembler. Mais cacao, lui, guérit les nerfs. Quand les nerfs tremblent, déjà, c'est que déjà les nerfs qui tremblent là, qui font des éléments là, ces cacao là, ils doivent boire et puis ils massent. Il m'a ça revient à sa place, ça devient normal, et puis tu sens mieux, parce que c'est une antidouleur, parce que les nerfs font mal. Actuellement, il fait très, 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 très froid. Ceux qui ont le problème des nerfs souffrent. Les crampes, et ceux qui ont rhumatisme et autres, c'est pour beurre de cacao, on masse. On masse les genoux, on masse les cuisses, les nerfs, tout ça, tous les parties qu'il faut dans lui. Il calme la douleur dans moins de 10 minutes. En tout cas, tu sens, si tu fais ça le soir, tu dors, demain matin, on dirait quelqu'un qui t'a dit, il faut te lever. Tu vas bien te lever normalement, comme si rien n'était. En tout cas, c'est très important. Okay. Les enfants qui ont des allergies, même les grandes personnes, allergies, boutons, gales, à moins de 3 jours, tu n'en as plus. À moins de 3 jours, les pieds d'athlète, bon, c'est un cicatrisant, beurre de cacao. Si tu as fait opération, tu prends ça pour te guérir avec ça aussi. Si tu as plein, tu t'es blessé, en tout cas, ça enlève cicatrisation. Surtout l'opération même là. C'est très bon. D'abord, ça va calmer la douleur d'opération, la douleur que tu sens. Et puis, ça va guérir des dents. Parce que quand tu mets là, ça rentre en même temps des dents. Ça rentre des dents pour guérir la plaie qui est dedans. Et dehors, ça va finir cicatriser. Ça va cicatriser là. Voilà, c'est beurre de cacao. Il fait beaucoup de choses. Si tu as firon, tu mets aussi. Ça fait disparaître firon. À moins de 3 jours, ça disparaît. Si tu as les allergies, les boutons, en tout cas au lieu d'aller payer Citéal à la pharmacie, prenez beurre de cacao, mais les gens aussi qui ont les choses qui les grattent, des mangeaisons dans le corps, tu te pommades avec ça, ça finit, puis ça finit les rides, voilà, ça enlève les rides dans le visage, les vieilles personnes, en tout cas toi-même, en fait ça c'est vie quoi, je sais pas comment je vais expliquer, cacao et puis beurre de cacao c'est quelque chose qui c'est vie, tu utilises toi-même là, tu parles. Quand tu vas utiliser ça maintenant, tu vas être fou, folle. Pour te dire, c'est ça les blancs prennent. Voici les bits même que les Français prennent ça. Et puis, elle, là, il prend beaucoup d'argent avec ça. Parce que tous les médicaments de cardiaque, là, ça passe par cacao. On met cacao dedans. D'accord.